Famille. Mignon et tout mignon et calambalé. Mignon calambalé. Famille, est-ce qu'il y a deux là? Est-ce que les deux là peuvent monter à trois? Dites-moi si le son est bon. On va commencer un live chap-chap sur le canal. Tout mignon et. Gérard Justin, Mbolo Dibal, est-ce que le son est bon? Il y a six personnes là. Est-ce que le son est bon? On va faire un petit live chap-chap sur le canal. Tout mignon et y a longtemps, on a fait live ici à la maison. Hein. Vraiment, il y a longtemps. Ah, Djamadier. À l'époque d'Ali, on enchaînait hein, même 3, 4, 5 lives par semaine. Cinq sur cinq, ok, d'accord, ça c'est pour toi. Mais le reste là, il y a six personnes là. On va pas attendre, hein. On n'est plus dans son style, on attend, on dit mettez les cœurs, vous mettez les cœurs, vous mettez pas les cœurs, le live se coupe, c'est go-go, c'est tout. Donc il y a un qui a dit c'est bon, cinq sur cinq, on attend deux personnes, si ça fait trois, on lance le live. Si vous êtes aussi d'accord, vous boycottez le live, c'est fini. On passe à soi. Pourquoi Makaya? Ok, Ulrich dit le son est bon. Ok. Freddy Kodo dit le son est bon. Mais Freddy, moi je t'appelle sur WhatsApp, tu ne réponds pas. C'est maintenant ici que tu viens répondre. Sorcellerie en effet, bon, sur toi. Karl Moulunga dit aussi le son est bon. David Mberoukouma dit des voleurs. famille. Vous savez, le bébé va bien, le bébé de Toyota Gabon va bien, son père est même dans le live là. Monsieur Karl Mundouma, c'est le papa du bébé. Pour répondre, on pose la question au bébé là, il faut répondre. Bon, famille, vous savez, il y a longtemps, hein? Ah, tu dormais, hein? Ok, merci, tu veux te réveiller. Et quand je commence le live, tu te réveilles, toi, hein? Donc, vous savez, comme je le disais si bien hein, au début, qu'il y a longtemps, on a fait live ici, à la maison. Le plus qu'on faisait live sur le terrain. Même quand Ali est là, et quand Ali était là, on faisait live au terrain, mais le plus souvent, c'était à la maison. Mais il y a un fait. Moi, chez moi, depuis un bon bout de temps, ma femme ne paye plus Canal Box. À cause de mon fils. Le premier trimestre, il est en sixième. Il est en sixième, il a 10 ans. Le premier trimestre, il a une bonne moyenne. Le deuxième trimestre, le gars a chuté. On allait s'entretenir avec les enseignants. Les enseignants ont dit non, le petit est intelligent. Hein. Mais sauf que, on a l'impression que il s'intéresse plus au jeu. Ah bon? Ok. Il n'y a pas de problème. La directrice. Une société, mon frère, une société ne peut pas augmenter le prix comme ça sans passer par le gouvernement. Je suis convaincu qu'ils sont informés ou bien. Mon frère, on va tomber là, non? On va tomber donc, c'est comme ça que directrice de la maison a décidé de ne plus payer Canal. Je crois que. J'ignore, ça fait combien de mois?
Bon, elle est là peut-être. Oui, ça peut faire 6 mois puisqu'on va y aller à la fin d'année, dans l'année scolaire. Donc peut-être 6 mois. Josh Lucas. Josh Lucas. Donc soit Lucas ou Lucas, soit salut. Donc ça fait 6 mois que chez moi, il n'y a plus Canal Box. La directrice de la maison a dit elle ne paye pas parce que le DG s'intéresse tout à la télé que au livre. Moi, j'ai dit quoi, pauvre de mon Makaya. Je ne regarde plus jamais la télé. Bonsoir, le grand Hugues, mes femmes, mes toi. Donc, moi, je ne regarde plus la télé. J'ai dit, ok, d'accord. Elle s'est réveillée encore, elle a dit, oh, le simple fait que ce dernier a son téléphone, il faut couper Internet. Voilà pourquoi vous voyez, je fais plus beaucoup de live à la maison. Internet aussi, elle a décidé de couper parce que le petit s'intéresse toujours à son téléphone. Donc là où on est là, on a la télé supprimée, Canal Box supprimé, son téléphone ne lui sert que allô, allô, quand il faut nous appeler, quand il est à la maison. Parce que moi, le plus souvent, je suis dehors, et termine un peu le travail tard. Parfois, je le laisse là à la maison, donc il a besoin d'avoir un téléphone. Donc, pour allô, allô. Je dis, bon, c'est normal. Mais le samedi passé, comme je suis un fan du catch, j'aime bien regarder le catch, je me suis dit que là, quand même, c'est un peu trop. Toute là, tu restes à la maison, tu ne peux pas. Bon, je vais quand même payer les chaînes et puis après, je vais mettre le code parent. Pour que le petit ne puisse pas regarder, je vais mettre un code pour que même s'il est là, il ne regarde pas la télé. Il y a que moi qui dois regarder la télé. Parce que ça fait 6 mois, on me prive du catch. Parce que moi, je suis un fan du catch. Tous les samedis, je suis AB1, je regarde le catch. C'est en allant, en naviguant, je me rends compte que le bouquet que l'on payait à 20 000, Bilbiza avait augmenté 500. C'est monté à 500. Les Gabonais bêtes que nous sommes, et dingues que nous sommes, moutons que nous sommes, on est laissés tranquilles. On a dit 500, c'est rien. On a continué à payer parce qu'avec Ali, c'était de la dictature. Le CTRI vient d'arriver. Ok, nous tous, on a acclamé les deux mains. CTRI, oyez, oyez, CTRI, oyez, oyez. Oh, le grand Luc me parle. Bonsoir, Eric. Oui, bonsoir, grand. Sois salué, frère. Oh, sois salué, Joyce. Ok, Malvin des Nations, hein. Tu vois, des Nations Unies. Hein. Mon type, bonsoir, oui, bonsoir. Donc, nous tous, on a acclamé. Ben, je ne vous cache pas. Hein. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas trop biaiser. Je n'aime pas quand c'est flou. Parce que moi, je suis une victime. Et tant que je suis une victime, là, wallahi, là, je vais toujours parler. Ouais, Yacoubou Daouda, sois salué. Vous voyez? Là, ça. Mais ça qui me dérange là, c'est que le CTR est arrivé, le bouquet que nous on payait à 20 500, je ne sais pas si c'est Canal ou avec l'accord du gouvernement, Alain Serge Obama, soit salué mon grand frère, avec l'accord du gouvernement, on vient d'augmenter le bouquet à 21 000 francs. Et quand tu vas aller regarder les programmes de Canal, ce sont les mêmes programmes et des vieux films. On me montre les films d'Arnold Schwarzenegger, où j'avais 18 ans. Attends. Gidex Ndong, mais j'arrive à ce niveau que tu dis, pourquoi pas, pourquoi ne pas les boycotter? Moi, je les ai boycottés, ça fait pratiquement 6 mois par le canal de ma femme. Ça fait 6 mois qu'elle ne paye pas Canal, que ce soit Canal télé ou Canal Internet, à cause de mon fils, parce qu'il n'a pas eu la moyenne, parce que les gens disent que non,
il regarde tout la télé et il se distrait et tout le téléphone. Vous savez que nous avons les enfants Android, donc je ne me suis jamais rendu compte qu'ils avaient augmenté. C'est le samedi qui vient de passer là, en voulant payer parce que j'aime tout regarder le catch, je me suis privé du catch et que le petit est en fin d'année. J'ai dit quand même, je vais quand même regarder même les dernières émissions du catch là. C'est comme ça que je me rends compte que le bouquet canal a augmenté de 500 encore. Avant, on était à 500, ils sont montés à 500, on était plutôt à 20 000, ils sont montés à 20 500. À l'époque d'Ali Bongo, Bilibizi était ministre de la Communication. Et là, je ne sais pas qui est ministre de la Communication, c'est Laurence Ndong, si je ne me trompe pas. On vient d'augmenter de 21 000 francs. Donc, 500 de plus. On est silencieux. Madame Laurence Ndong, quand même, je ne sais pas s'ils ont communiqué. Maintenant, vous les Gabonais qui êtes là, dites-moi un peu, si le gouvernement du CTI, est-ce que le ministre de la Communication est venu nous dire pourquoi est-ce qu'on a entré 500 francs sur le canal, sur le bouquet canal. Quelles sont les solutions que les Gabonais proposent pour remédier à sa madame Laurence Ndong? Si le silence des autorités qui me... Les autorités, nous-mêmes, on est responsables. On est responsables aussi de cette situation par le silence total que nous affichons. Voilà. Ouais, et là, il me dit la connexion Internet, bientôt ils vont couper et vous allez rester comme ça. Bonjour, le grand aimé Victor. Non, grand, quand tu dis sur le CTRI, non, ne pense pas que moi, Eric Otite, je suis un béni, oui, du CTRI, parce que le CTRI m'a donné ma tuer. Non, ne pense pas ça. C'est pas parce que sur le CTRI que tu penses que moi, Eric Otite, je ne peux pas parler ou je ne peux pas critiquer. Quand c'est bien, je vous ai bien dit que j'ai combattu Ali, je suis au Gabon, grand. Je suis au Gabon. Je ne suis pas en France. Je pense que si j'étais en France comme toi, peut-être même que j'allais insulter le CTRI. Parce que quand je suis ici, là, quand je me bats là-dedans, à chaque fois que je suis convoqué au tribunal, tu te rends compte que je pars toujours seul. Je peux te faire, tu demandes, je te fais rentrer. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, ne pense pas que moi, je suis un béni, oui, du CTRI quand tu dis sur le CTRI. Parce que beaucoup le disent que oh, c'est parce que le CTRI est arrivé. Certains pensent que nous autres là, on ne parle pas parce que c'est le CTRI. Je vous ai bien dit, le CTRI, grâce à moi, je vais donner la parole. Le CTRI vient d'arriver, nous autres, on accompagne le CTRI et voit ce que le CTRI va faire. Si le CTRI échoue, si le CTRI fait comme Ali Ben Bongo Ndiba, moi, il est continué de tirer à bouler sur le CTRI. Et ça, je te donne ma parole. Et tu vois bien que depuis un bon bout de temps, les autres se sont tués. Moi, je continue à parler. Et pourtant, plus que côté au Ligue, il m'a donné, comment on appelle ça, une voiture Toyota Hilux avec un peu d'argent. Et il m'a même proposé même une nomination que j'ai dit non, gratin d'abord, moi j'ai envie de faire mes affaires. Donc je te laisse la parole très cher grand frère. Oui, bonjour, comment vas-tu? Non, je disais ça de manière ironique. Ah. Tu sais que toi et moi, on a notre couloir où on fait nos petites blagues. D'accord, grand frère. Je reconnais ça. Pour justement rappeler les mêmes problèmes que nous avons dans ce pays. Si je me mets à parler des choses du Gabon, c'est parce que je me définis d'abord comme Gabonais. Moi, j'ai des enfants, j'ai de la famille. Franchement, si je n'en avais rien à foutre, je ne parlerais pas, je ne risquerais pas ma vie depuis des années ici en France. Parce que beaucoup d'entre nous, à l'époque d'Ali Bongo, on a été taxés d'avoir des fichiers S, donc être considérés comme des terroristes ici. Donc, il n'y a pas de sous-Gabonais. Il n'y a pas de Gabonais de l'extérieur et tout le reste. Parce que par ricochet, nous vivons les mêmes réalités au travers de nos parents. Quand on te dit, il y a ton neveu qui est là, on t'appelle à 3 heures du matin pour dire, là on est à telle clinique, il faut l'ordonnance. Toi et moi, nous avons vu comment on s'est occupé de notre jeune frère Yann Ngonga. Donc ce n'était pas des Gabonais de l'extérieur et des Gabonais qui sont au Gabon qui se battaient pour que notre jeune frère puisse recouvrir la santé et pouvoir vivre et qu'on puisse l'envoyer à l'extérieur. Il y a beaucoup de combats comme ça que nous avons menés ensemble en étroite collaboration. Quand il fallait sortir 100 francs,
il n'y avait pas 100 francs des gens de la diaspora et 100 francs des gens du Gabon. Amen. Mais c'est tout simplement l'amour de notre pays, l'amour de notre prochain. Et je dis encore merci parce que toi, tu prends des risques. Aujourd'hui, on nous taxe, nous qui sommes aujourd'hui dans des diasporas, que oui, nous en faisons un peu trop, on doit arrêter de parler, on doit arrêter de dénoncer, on doit arrêter, on doit mettre en place une sorte d'omerta où aujourd'hui, quand moi je fais un live pour indexer quelque part, on me dit « ouais, mais il y a les routes qu'on fait et tout ». Mais il ne s'agit pas de routes, il ne s'agit pas de ceci ou de cela. Il s'agit que l'environnement dans lequel je vis en France, c'est un pays, comme disait mon frère Franck Diziki, nous sommes exigeants. En matière sanitaire, il y a l'exigence qui est là. En matière scolaire, il y a l'exigence. Quand on arrive, nous sommes en train de faire les déclarations d'impôts là. Tu montes ou tu ne montes pas, tu descends ou tu ne descends pas, tu payes tes impôts, ou ils viennent dans ton compte, ils viennent prendre. C'est comme ça. Donc l'exigence vient à partir du moment où tu sais que quand tu payes tes impôts, tu fais sortir ton argent, derrière, les routes doivent être correctes. Tu dois avoir de l'eau H24, tu dois avoir de l'électricité. Le bouquet, comme tu es en train de parler, là, mon bouquet que tu vois là, mon bouquet, c'est là. Je suis en train de suivre près de 300 ou 250 chaînes de télévision. Je paye mensuellement. Est-ce que tu comprends? Je paye mensuellement. Mon téléphone, quand j'arrive là, si je veux un iPhone 15, là, j'appelle là où je suis pour ne pas faire la publicité et c'est fait. J'arrive, je prends un crédit, on va me retirer peut-être 30 euros. Donc, l'équivalent de 20 000 francs pendant 2 ans et j'ai le iPhone 15. C'est pour dire qu'il y a des avancées. Et quand je donne les 20 000 francs, là, donc l'équivalent de 20 000, donc 30 euros, j'ai droit aux appels illimités. J'ai à peu près 150 gigas Internet. Tu comprends? J'ai la 5G en permanence, H24. Je n'ai pas d'interruption. Donc, ça veut dire que l'exigence que nous avons, nous qui sommes en Occident ou à l'étranger, c'est du fait que nous payons et nous voyons le résultat de ce que nous payons. Donc, moi, ce que j'ai vu la dernière fois, il y a quelques mois, je crois que l'année dernière, vous aviez mis en place une campagne contre certaines maisons de téléphonie mobile, pour ne pas les citer, par rapport aux abus qu'ils avaient vis-à-vis des clients qu'ils ont. Je pense que le problème que tu es en train de dénoncer aujourd'hui, c'est le même avec la SEG et les autres entités qui sont censées normalement vous fournir des services. Exactement. Il y a une association des consommateurs, et je vais toujours revenir là-dessus. Les Gabonais ont du mal à aller se syndiquer. Il faut rentrer dans l'association des consommateurs. Il faut que la majorité, sinon l'entièreté de la population gabonaise puisse rentrer dans la société, dans l'association des consommateurs, pour être beaucoup plus efficient et beaucoup plus de pouvoir revendiquer véritablement. Si en association vous allez porter plainte, si les gars-là ont à peu près, il y a peut-être 5 ou 6 associations où il y a 10 000, 20 000, 30 000 Gabonais qui ont porté plainte. Ils vont répondre. Le problème avec nous, c'est que là, tu es en train de faire la regarde. Ce que tu parles là, ça concerne tous les Gabonais, mais on n'est même pas 30. Ce que tu vois. Et sur les 30 là, il n'y aura même pas 5 qui vont partager ce live. Alors que tu es en train de dénoncer des réalités qu'eux, ils vivent. Mais comme c'est toujours, voilà pourquoi je disais, comme c'est toujours, ah, moi, hein, je préfère me taire, hein, je n'ai pas la famille, je n'ai pas... Chacun essaie de se cacher, chacun essaie de surfer au travers de ton live dans les bars et là, pour pouvoir écrire un ou deux mots. Mais ils ne seront pas capables de se lever. Parce que je sais que toi, aujourd'hui, tu es capable de te lever demain, aller devant cette entité-là, je ne sais pas comment il s'appelle, Canal+, aller faire un mouvement là-bas, aller exiger. Combien de Gabonais sont prêts aujourd'hui à se lever pour dire « Nous en avons marre que quand il y a un petit vent, quand il y a une petite rosée, nous n'avons plus de connexion. » Donc, on paye pour quoi? Nous, ici, là, on a des tempêtes. Tu as toujours, c'est le même canal, là. C'est le même propriétaire de canal, ici. Moi, pour moi, ça passe à H24. Pourquoi au Gabon, nous allons toujours vivre ce genre de situation? Je pense, pour ma part, que tu as tout à fait raison. Il est plus que temps que les Gabonais se mettent ensemble
pour être efficient dans ce qu'ils veulent véritablement. Parce que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien d'être... Salut Eric. Salut mon frère. Ça ne sert à rien d'être disparate. Il faut véritablement, comme tu as souvent fait, regarde un peu les années où à Ouindé manquait d'eau, combien de mobilisations, combien de lives tu as fait, mais combien de Gabonais se sont mis en bride. Combien de Gabonais ont dit non, le frère il parle tous les jours, on va se mettre avec lui. Mais ils ont accepté la condition et ils ont vécu dans cette condition-là. Et aujourd'hui encore, je ne pense pas que Ouindé est alimenté à 100% d'eau. Il n'y a pas. Voilà. Même à 50%, même à 10%, il n'y a pas. Voilà. Donc, ça veut dire que le problème, ce n'est pas seulement ceux qui doivent vous fournir des services, mais c'est à vous d'être exigeant. L'exigence, ce n'est pas seulement quand il faut courir à gauche, à droite, aller saluer, porter les t-shirts, aller manger des sandwichs, aller dans les rencontres citoyennes. Je pense pour ma part, avant que je ne laisse le frère prendre la parole, vous avez un arrondissement, vous avez un maire dans l'arrondissement. Soyez exigeant avec le maire, c'est le rôle du maire. Moi, pendant la COVID, on a déposé, j'ai vu mon voisin ouvrir sa boîte aux lettres et avoir des masques. J'ai dit, mais comment? Oh non, mais c'est la mairie qui a distribué. J'ai passé le coup de fil. J'ai dit, mais pourquoi moi, je n'ai pas droit au masque? Je suis là avec ma fille, donc c'est moi qui dois avoir la COVID. Je te dis que l'heure qui suivait, on avait 200 masques devant la maison. Ils sont venus devant chez moi sonner. Oui, monsieur, non, vraiment, c'est pendant la distribution, on essaie de faire, c'est pas, non, 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 j'ai dit, mais non. Donc, si mon nom est en dernier vers Z là-bas, donc, j'ai tout le temps d'attraper la COVID pour mourir. C'est pour dire que les municipalités, l'État se préoccupe à partir du moment où ils ont une pression. Votre maire doit savoir qu'il est à votre service. Ça ne sert à rien qu'il vienne crâner dans le quartier. Quand il y a l'incendie, ici, là, par exemple, pourquoi je parle d'exigence? Quelle est la différence? Ce n'est pas des êtres humains qui vivent ici. Macron ou bien les gouvernants d'ici n'ont pas le même cerveau, la même tête que ceux qui sont au Gabon. Mais ici, quand il y a l'incendie, le maire vient s'acquérir, on te prend, la mairie, la municipalité te prend, te loge d'abord dans un hôpital, dans un hôtel, en attendant qu'on trouve une solution pour toi. Mais non, maire, qu'est-ce qui se passe? Donc aujourd'hui, je pense que avec la nouvelle donne, puisque nous sommes en train de refonder le Gabon de demain, parce que nous sommes en pleine transition, nous devons réfléchir sur toutes les voies possibles. Dans chaque quartier ici, pratiquement chaque arrondissement, il y a au moins deux maisons, deux services de sapeurs-pompiers. Regarde hier, je te prends l'exemple, je travaillais dans la nuit. J'ai vu quelqu'un en train de marcher sur la 4 voies, donc sur l'autoroute, considérant qu'il part de Sogatol pour Ouindé. C'est interdit. J'ai appelé la gendarmerie le 17, j'ai dit, j'ai vu un monsieur habillé en noir, il est à tel endroit en train de marcher. À la minute, les policiers, les gendarmes ont envoyé 3 véhicules. Oui, à peu près à quel niveau? Parce que nous sommes sur les lieux, en espace de 5 minutes. Après, ils ont dit, on l'a retrouvé, monsieur, vraiment, merci et tout et tout. Ils ont reconnu, ils ont pris en compte que moi, je viens de sauver une vie parce que ce monsieur, un véhicule peut passer ou un camion peut passer avec le vent, il peut se faire ramasser comme ça. C'est pour dire que le service public... Quand nous sommes aujourd'hui en train de reformer par l'OCTI, le service public doit être efficient. Mais c'est à nous aussi d'être exigeants. C'est à nous d'être exigeants aussi avec les deux. Si nous payons correctement nos impôts, franchement, nous avons le mérite quand même d'avoir un service adéquat. La SEG ne peut pas s'amuser à nous couper l'électricité, à nous gaspiller les congélateurs, les télévisions, comme ils veulent. Ils n'ont pas à nous donner de l'eau. Parfois, c'est entre 2h et 4h du matin. Hein, et tu es là. Maintenant, tu dois veiller, toi, père de famille, alors que le lendemain, tu dois aller au boulot. Parfois même, tu travailles dans des chantiers. Tu es maçon, tu travailles dans des chantiers. Tu n'as pas dormi toute la nuit. Un accident est vite arrivé. Et quand on sait que si tu as un accident du travail, même pour être payé, même pour être soigné, c'est compliqué. Compliqué. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a toute une chaîne de responsabilités. Mais la première chaîne de responsabilité, c'est aussi le peuple qui doit être... efficient, qui doit être présent et qui doit pouvoir se battre afin que véritablement ces gens sachent comprendre que nous ne sommes pas en train de jouer. Pendant qu'ils nous coupent le courant, moi, il n'y a pas de problème. Si ceux qui coupent canal aujourd'hui, mais ils ne savent pas qu'à 2h du matin, ils vont amener leur enfant,
chez toi, toi qui es peut-être le pédiatre. Mais quand tu vas arriver, tu reconnais cette dame-là qui était au comptoir, qui t'a, tu allais exiger véritablement, tu dis non, moi je ne comprends pas, je paye Canal, j'ai un contrat avec vous, vous me traitez mal et qu'on te rabroue. Mais imagine que cette dame-là ou ces gens-là arrivent à 3h du matin, c'est toi le pédiatre qui vient à cœur, enfin, dis madame, oui, vous m'avez grondé tout à l'heure à 17h dans votre agence, non? Parce que je suis venu exiger, non, oui. Débrouillez-vous avec votre enfant. Est-ce que comme ça, on est capable de construire ce pays? Est-ce que comme non. ça, on peut être véritablement? C'est véritablement non. là où le problème se passe. Même les bouteilles de gaz. Pour avoir le gaz à Libreville, il faut aller faire la queue. Et parfois, même d'autres ont déjà réservé parce qu'ils ont ajouté un petit 2000 en haut pour qu'on puisse se préserver le gaz. Et c'est ce genre de comportement dans lequel nous devons sortir aujourd'hui pour pouvoir construire un pays réel. Vraiment. Exactement. Excuse-moi. Même le compteur d'électricité, c'est pareil. Mais c'est la faute des Gabonais aussi. Oui. Parce que vous n'allez jamais au bout de vos combats. Merci, mon frère. Bon. Tu peux prendre la parole. Grand ami, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Tu as quasiment tout dit. Tu as ajouté complètement ce que je voulais aussi ajouter. C'est la réalité. Moi, je te dis aux gens que s'il fallait faire un combat dans ce pays, le Gabon, là, je n'allais pas faire le combat contre les dirigeants. Mon combat devait être contre les Gabonais. Parce que la situation dans laquelle le Gabon traverse depuis de longues dates, ce n'est pas la faute des dirigeants, c'est la faute des Gabonais, le peuple. C'est la faute du peuple. Parce que si ce peuple a été un peuple conscient, les dirigeants ne devaient pas se comporter comme ça. Parce que ces dirigeants sont à nos services. Ils sont au service du peuple. Ce sont nos employés. Ils travaillent pour nous. Ils sont payés avec l'argent du contribuable. C'est ça le véritable problème de notre pays. Parce que quand il y a un qui combat, les autres disent, bon, tant que ça ne me touche pas, ce n'est pas mon problème. Il y a eu l'affaire l'année passée de mettre les téléphones. Moi, je ne suis pas au Gabon. Hein, et tu sais où je suis. On n'a pas ce problème-là ici. Ni d'électricité, ni d'eau. Ni téléphonique. Il n'y a pas ce problème-là ici. Et il faut bien remarquer, même ici au State, il y a... si tu prends une maison, par exemple, pour ceux qui sont propriétaires de maisons, l'électricité coûte un peu assez cher. Des fois, tu peux te retrouver avec une facture de 400 dollars, 500 dollars le mois, surtout lorsque tu utilises des fois un peu, le chauffage, et tout le reste de ça. Tu te rends compte? Bon. Donc, certains propriétaires de maisons sont obligés aujourd'hui de mettre des panneaux solaires sur leur maison. Mais on peut pas faire ça au Gabon parce que le Gabonais, on est beaucoup plus locataire au Gabon que propriétaire. Comment tu vas installer les panneaux solaires sur le toit d'un propriétaire, d'un bailleur? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et il y a des Gabonais qui applaudissent dans notre pays pour des bêtises. Moi, j'encourage le CTAI dans ce qu'ils font, mais le problème, c'est que ce n'est pas que les Gabonais pensent que le fait de mettre, quand on construit les routes, c'est comme si c'était, on a demandé au CTAI, pardon, de construire les routes. Non, c'est une obligation. C'est une obligation. Tu sais, quand tu payes le litre du carburant, quand tu payes, tu vas à la station. Quand tu payes le litre du carburant à 500, par exemple, ou à 400, ça c'est un exemple. Le fonds routier national à combien? Combien gagne le fonds? Mais c'est ça. C'est pour te faire comprendre que tous ceux qui ont des véhicules dans notre pays payent pour les routes. Combien la station gagne, combien le fonds routier national gagne sur le litre d'essence ou le carburant dans notre pays? Est-ce que nos frères gabonais sont informés de cela? Bien. On est informé, mon frère. Bon, je te le dis, on est informé. On est lâche et on est un peu plus ou moins hypocrite. Voilà. Donc, ça c'était un fait. Deuxièmement, quand tu payes l'électricité à la SCG, par exemple, dans ton compteur EDAN, tu payes le courant. Dessus, c'est marqué éclairage public. Ordure, hein? Même ordure, bon, on a ça d'ordure. Il y a dessus TVA, il y a TVA, il y a éclairage public.
combien sont détenteurs de compteurs et gagnent et sont éclairés dans leur quartier. Ça veut dire que depuis que Edan est arrivé au Gabon, la STG vole les Gabonais, mais le Gabonais là assis ne dit rien. Tu ne peux pas me prélever à chaque fois sur mes reçus Edan pour l'éclairage public et je ne suis pas éclairé au quartier. C'est un vol. Donc si les Gabonais se mettaient ensemble pour revendiquer cela dans notre pays, là, s'ils devaient fermer ses portes depuis longtemps, on passait à autre chose. Même les Chinois devaient nous fournir le courant dans notre pays et même l'eau. Mais pour revenir, excuse-moi mon frère, pour revenir par exemple à notre fameux, pour ne pas faire la pub de ces gens-là, Canal Box ou je ne sais quoi là, ben ils sont là depuis combien d'années? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'au Gabon, il pleut 9 mois sur 12, au point où il y aura des intempéries, au point d'améliorer leur matériel, tout ce qui est technique? Moi, je ne comprends pas. Comment tu vas voir, en 90, nous avions déjà Canal. À l'époque, on disait, on priait, on croisait même les doigts, parce que quand on devait suivre la Coupe du Monde, on disait, s'il pleut là, c'est mort. Dès qu'il pleuvait, il y avait une petite pluie. Mais près de 40 ans plus tard, nous sommes toujours dans les mêmes problèmes. Ça veut dire qu'il y a une volonté de ne pas bien faire. Et ça, c'est un. Le gouvernement, par le truchement de ceux qui sont différents ministères, c'est à eux aussi de veiller sur la fiabilité du matériel qu'ils mettent en place. C'est quand même incroyable. Est-ce que je pense que les problèmes que toi, tu as des canaux là chez toi, le président Olivier a les mêmes problèmes. Je ne pense pas qu'ils vont installer du matériel façon chez lui pour qu'il puisse suivre le canal. Je ne pense pas qu'il a des problèmes que quand il pleut, ça coupe. Je ne pense pas. Je pense. Hein? C'est le même canal. C'est le même canal. Mais c'est le même normal. Canal. Ce n'est pas normal. C'est vrai que je suis pas la présidente, mais je pense nationaliser, que... Nous pouvons aujourd'hui le faire, nationaliser. Il y a des chaînes quand même qui sont là. Il y a des chaînes. Ce qu'ils font, c'est quoi? Les autres font comment? Les films, là, c'est pas eux. Il suffit de payer simplement des films, d'avoir des chaînes. Nous disons simplement à un moment donné que non, nous nous désabonnons de tous ces trucs-là et nous allons nous concentrer sur notre chaîne nationale. Nous avons et là, la question serait trouvée. Attends, grand, même la chaîne nationale est engloutie par canal. La chaîne nationale. Mais c'est engloutie par canal. Ça, ce sont nos politiques qui ont. Amener ce genre de désordre. Non, ça veut dire que quand on veut parler même de souveraineté, excuse-moi mon frère, on veut parler de souveraineté. Tu sais, nos frères, pour ne pas prendre cet exemple-là, le Mali, là, c'est une société qui est ici à Rennes, là, du fils de l'Odrian, qui gérait la société, qui faisait les passeports et les cartes d'identité au Mali. Est-ce que tu comprends? Quand on a chassé l'armée malienne, l'armée française, normalement, ils n'ont pas chassé la société. Ils ont seulement dit, bon, écoutez, comme nous, on est aujourd'hui en train de rentrer dans un système où nous voulons gérer nos bases de données en matière d'identification et tout ça. Donnez-nous ça. Ils ont dit, niette, il faut donner si c'est combien de milliards. Les gars ont dit, mais comment? On a un contrat. Dans le contrat, c'est clair et net. Ils ont refusé. Tu sais ce que Assimi Goïta a fait? Non. Il a réuni les informaticiens maliens. Il a dit, trouvez-moi la solution. En 72 heures, les gars ont pris tout le fichier chez les Français. Tout le fichier. Et ils ont verrouillé. Et ils ont créé leur fichier. Quand ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus les données des Maliens. Oh oui, mais comment ils ont dit, mais comment ça? Nous, on a récupéré notre... Comment vous avez fait? Il dit, mais ça ne vous regarde pas. Ils ont pu récupérer leur fichier. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils arrivent à établir leur pièce d'identité. Ils ont monté leur société. Ils sont même en train de faire eux-mêmes leurs choses. C'est pourquoi aucun pays sérieux ne peut laisser des choses comme l'identification nationale à une autre nation. C'est une affaire de souveraineté. Il y a des domaines qui sont des domaines de souveraineté. Une chaîne nationale ne peut pas être engloutie par une chaîne privée. Ce n'est même pas possible. Ah, on a dénoncé, fatigué. Non. Mais vous avez l'accès chez le...
Vous avez accès chez monsieur Oligino. Faut lui parler de ces problèmes-là, c'est vous qui le faites. Attends, excuse-moi. Moi, je n'ai pas. Ceux qui ont accès chez le président Busclotel au Libye, ils sont connus, ces banques. Moi, j'ai eu accès une seule fois chez le président. Et il m'a. Moi, je parle de moi, il m'a demandé ça va. Je lui ai dit ça ne va pas. Pourquoi? J'ai dit, regarde tout ce que j'ai pu traverser. Et ça, tu comprends? Oui. Et au sortir de là, on a parlé ce qu'on avait à parler. Il m'a dit, OK, Eric, j'ai compris. Qu'est-ce que tu peux me demander là? J'ai dit, mais moi, j'avais une Toyota CHR achetée par moi, avec mon propre agent, 18 millions. Mmh. J'ai dit que non, là, le bas des caisses est déjà gaspillé parce que j'ai passé mon temps à tourner à faire des lives. Mmh. J'ai demandé une voiture, il m'a donné cette voiture. Je suis sorti de la banque. Moi, je n'ai pas. Je n'ai pas d'argent que tu ne m'as pas envoyé ma part. Grâce à l'argent là, parce que les gens parlent beaucoup là, c'est 2 millions. Je te dis aujourd'hui, allez-y. Mais pas de m'envoyer ma part. Grâce, il y a beaucoup de problèmes. 2 millions. Le grand frère. 2 millions 600 000. 2 millions 600 000, tu peux quoi avec au Gabon. Avec tout le monde. Non, j'ai rigolé. Laisse-moi un peu terminer. Donc tu vois, je suis d'accord. Plus ou moins d'accord avec Yann quand il dit s'il avait un combat à faire, c'était de faire un combat contre le peuple gabonais. Je suis d'accord avec toi. Si nous autres là, on est sur la toile parce qu'on veut tirer la sonnette d'alarme auprès des Gabonais. Et le grand Aimé a dit il faut adhérer à. Comment on appelle ça l'association de consommateurs. Voilà. Mais je te dis bien, l'association de consommateurs gabonais là, si les gens n'adhèrent pas, grand, parce qu'ils sont trop flous. À 75%, ils sont fous. Sinon, moi, il dit que c'est juste super adhéré. Est-ce que tu sais qu'à Wenge, ici, à Wenge, là où j'ai dit là, en un jour, donc de 8h à 8h, on a droit à 5 coupures par jour. Et à 21h, on a la plus longue coupure par jour. Je ne dis pas par semaine, pas par mois, mais je te dis par jour. Tous les jours que Dieu fait, à Wenge, on coupe le courant de 8h à 8h. Donc, quand on fait le matin, il y a un peu le courant, on coupe. Après, on coupe. Après, on coupe. Quand on arrive à 21h, pile, on coupe le courant peut-être pendant 2 heures de temps. Mais tous les jours, c'est les moins chers parce que vous n'avez pas d'impact normalement. Moi, je pense qu'avec tout le réseau qu'il y a au niveau d'Awenge, en matière de commerce. Le gré est parti comment? Grand, fais la demande, je ne sais pas pourquoi tu es sorti. Le gré est parti. Donc, tu vois, et après, les Gabonais, eux-mêmes, quand tu veux les sensibiliser sur ça, ils ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas adhérer. Donc, il arrive un moment, tu vois, il arrive un moment que nous autres, les acteurs, là, on peut devenir un peu des bénis, oui. Et ça, tu comprends? Non, j'ai eu un coup de fil, excuse-moi. Ah, ok. Je vais répondre au coup de fil parce que c'est très lointain. Donc, voilà. Mais vraiment, courage. Continue. Ouais. Je sais que tu es resté debout. Il faut continuer. Toi, au moins, tu ne nous reproches pas de continuer à parler. Toi, au moins, tu ne nous reproches pas. Et les autres, là, on nous dit non. Nous sommes des complotistes. Nous faisons ce qu'ils appellent. Ils appellent aujourd'hui de la manipulation de masse. Donc, dire que ça, c'est pas bon. Ça, c'est de la manipulation. Pourquoi bon, les gens qui l'ont eu même H24 hier me reprochent aujourd'hui de parler ou bien de m'adresser par exemple à Oligué. Monsieur Oligué est devenu la propriété privée des anciens activistes qui aujourd'hui nous reprochent de dire et parfois de rappeler à Monsieur Oligué que ça là, normalement c'est bien fait, mais on peut faire mieux que ça. C'est tout, mais personne n'est contre lui parce qu'on veut nous faire passer pour des haineux. Comme nous autres là, on n'a pas été nommés. Comme nous autres là, on n'est pas encore, comme certains, on n'est pas encore rentré au Gabon. Bon, voilà, moi je vais arriver. Mais. Grand, ça, c'est déjà. Est-ce que moi, quand je rentre au Gabon, je vais rajouter ou pas. Grand, mais ce qui est aussi important, c'est que du côté des activistes, quand c'est bon, il faut aussi dire que c'est bon. Parce que beaucoup parlent un peu trop négativement. Hein, beaucoup. Mais c'est là pas dans quoi, le non. Monsieur Olivier, quand il a pris le pouvoir, le premier message, il a dit quoi? Que vous pouvez parler, non. Si on dit qu'on continue à parler, qu'on n'a pas amené au B2, c'est parce que c'est parce que lui a dit continuer à parler. Et je ne pense pas que depuis le 30 août, les gens
sont venus de manière ouverte, comme j'ai vu à l'époque, venir insulter M. Oligui. Je pense qu'il il aime la critique. Lui-même, il a dit qu'il aime la critique. Et il aime aussi la critique. Il faut avoir une critique constructive. Moi, je fais une critique avec des analyses. Soit je viens argumenter, soit je viens déconstruire quelque chose. Et aujourd'hui, beaucoup nous reprochent, et moi principalement, tu remarqueras que je fais de moins en moins de live. Parce qu'à un moment donné, j'ai souffert des courroux, des colères des gens. Voilà, on vient t'invectiver, on vient t'insulter, même en inbox. Bon, le débat démocratique, on ne peut plus l'avoir au Gabon, même si on est en transition. Voilà. Tu donnes ton avis sur l'affaire du dialogue, c'est un problème. On ne comprend pas. Donc, les gens doivent se taire maintenant, alors que M. Oligui a dit qu'on pouvait parler. Pourquoi on veut fermer la bouche de tous les Gabonais? C'est quand même incroyable. Il faut véritablement que cet état de fait. J'ai assisté aux émissions où on traite parfois des gens qui sont restés dans leur posture que non, oui, il faut rentrer au Gabon, mais tout le monde n'a pas vocation à rentrer. Moi, j'ai une enfant qui est en train de passer son BTS, des diplômes ici. Je fais quoi? Je laisse l'enfant parce que je dois venir vivre les coupures d'eau et d'électricité, alors que j'ai un boulot ici et puis j'ai des choses. Je pense qu'aujourd'hui, on doit penser d'abord à ceux qui sont sur place. Il y a du travail qu'il faut poser. J'ai vu combien d'enfants, 6 à 7 000 jeunes Gabonais diplômés, en train d'aller concourir, demander simplement, alors qu'il n'y avait que 400 places. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà, qui, nos jeunes frères, hein, c'est pas à 50 ans que je vais aller me mettre avec ma fille qui sort d'une école à 23, 24. On est obligé d'avoir fait des études pour être dans la fonction publique. On peut aussi créer. On peut créer. Mais mon frère, la réalité, c'est que le seul pourvoyeur d'emploi, le seul qui te donne du business au Gabon, c'est l'État. Mais tout le monde pourquoi descend, c'est l'État. Ça, c'est la pensée qu'on a. Mais c'est pas la pensée, Eric, je pense que il dit, pour travailler légalement, il faut savoir qu'il faudrait bien que l'État te donne quand même certains marchés. Sauf si tu me dis, bon, Eric, attention, toi tu parles de bricole. On parle d'un travail bien défini. Je ne parle pas de bricole. Pourquoi tu as un travail où tu vas travailler chez les gens, tu vas faire la construction d'une maison, toi tu es plombier, je t'ai déjà vu, Eric, en plein terrain. Quand tu vas faire ta plomberie, parfois tu donnes un prix. Bon, moi, pour te faire la plomberie de ta maison, là, deux niveaux, là, il faut 2 millions. Il t'avance 500 000, je te donne le reste maintenant, vous êtes maintenant chez les huissiers et dans les commissariats. Donc, et quand tu fais ça sur le privé, c'est comme ça. Tu travailles aussi pour l'État. Celui qui est censé gérer le budget où tu allais travailler, il prend l'argent, il te dit encore que non, moi, je veux 50% des 2 millions, là, donc je veux 1 million. Alors que toi, tu as, derrière ça, tu as des charges à payer, tu as des impôts, tu as du personnel. Et toi-même aussi, tu as besoin de vivre aussi. Mais on ne regarde pas ça. Et ce n'est pas fini, hein, malgré le fait que le CTI soit là. Les Gabonais vivent encore cette situation-là. Exact. Continuez à attendre l'État. Moi, je dis, il faut prendre l'exemple chez nos voisins à côté, le Cameroun. Là-bas, tu as des super gars qui ont fait des études, qui ont des BTS, qui ont des licences, qui ont tout. Faut voir. Tu ne peux pas comparer la dictature de Kobia et les conneries que nous on a ici au Gabon. Bon, Grébé, Grébé, tu vois par exemple là, je suis dans la coupure. Excuse-moi d'en rire. C'est les baisses de tension. Baisses de tension. On est sorti du live là tout à l'heure. Regarde-toi, là ça va bien. Donc là, je suis en baisse de tension. Et je suis arrivé au centre. Ah, c'est en direct, en plein live. Voilà. Bon, je vais répondre. Non, mon frère, comme toi, je vais répondre un peu au grand Aimé. Tu sais, moi, personnellement, quand j'ai été reçu par le président. Eric, laisse qu'il t'a reçu. Je suis les gens qui insultent les autres qui font les lives, qui sont restés dans les positions. Mon frère, on est là. On parle du Gabon. On parle du Gabon. Et je suis d'accord avec Aimé. Moi, je donne ma vision
Pourquoi est-ce que quand les grands aimés ou soit Ufino Kumba font leur audio, je ne les incite pas, je ne les réponds pas. Pour avoir parlé avec le président, je le lui ai dit que président, au sorti de là, je dois continuer à faire mes lives. Lui, tu sais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Eric, faites vos lives sans injure. Donc, les Gabonais qui viennent vous répondre que vous êtes des aigris parce que vous continuez à faire des lives, en réalité, eux, ils n'ont rien compris. Ce sont eux les vrais moutons. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays que l'on ne parle pas. On a passé tout notre temps à dénoncer au moment que le PDG était là, dirigé par Ali Bongo. Pourquoi est-ce que quand le CTI arrive, on ne peut pas faire la même chose? Mais le président de la République, il n'est pas informé de tout au même moment. Donc les gens qui viennent vous répondre que, oh, mais pourquoi tu fais les lives, tu es négri, il faut rentrer au Gabon. Moi, j'ai dit qu'en réalité, ceux-là, hein, ce sont eux-mêmes qui n'ont rien dans la tête. Et ce sont eux qui vont même induire le président du côté au lit qui en erreur, comme certains ont induit à Ali Bongo. Moi, je continue à faire des lives, peut-être autrement. Montrer toujours, même quand Ali était là, je n'avais jamais incité Ali. Je montais toujours la route et je montais les conditions de vie des Gabonais. Et je venais me plaindre de l'électricité et de l'eau. Mais c'est la même chose qu'on doit continuer à faire, chacun de nous dans son couloir. Claire. Pourquoi insulter l'autre? Parce que aujourd'hui là, c'est vrai que beaucoup des affiliés sont rentrés aujourd'hui là, ils veulent avoir les postes, mais ça ne les empêche pas de parler. Moi, j'ai vu quelqu'un ici au Gabon qui a été nommé, que le président lui a demandé qu'il faut toujours continuer à faire vos lives. Il faut toujours continuer à dénoncer, mais sans insulter. Est-ce que vous savez que parfois je m'informe même à travers vos lives? Parce que ceux qui sont autour de moi ont peur même de me dire certaines choses. C'est grave. Et ça, tu comprends? Mais ce sont les éboués. Le simple fait qu'il a retenu du prince, il a déjà peur même de dénoncer parce qu'il s'est dit mon bout de père. Et ça là, ce sont ils sont pauvres mentalement. Eric, je t'ai dit tout à l'heure de ne pas te justifier sur cela. Pourquoi? Parce que même le grand aimé là, ou moi là, si le président veut me recevoir, est-ce qu'on va refuser? Si il me recevoir. Non, je ne me justifie pas. Je ne me suis pas justifié. Je suis venu dire que. Ceux qui les insultent actuellement là, je n'ai pas, je me suis pas. J'ai dit ceux qui les insultent actuellement là, c'est en réalité, ce sont eux-mêmes qui n'ont plus rien dans la tête. Ils ont perdu, je ne sais pas leur mémoire. Parce que le président ne les demande pas de venir insulter les confrères ou les frères que l'on a fait autrefois le combat ensemble contre Ali. Moi, je ne peux pas venir insulter Aimé, et je ne peux pas venir insulter Franck la vérité, je ne peux pas me mettre en train d'insulter la grande Djeno, je ne peux pas me mettre en train d'insulter, comment on appelle ça, comment on appelle ça? Bob le fou. Mais par contre, le jour que le petit Bandeko en chef a fait, par exemple, une vidéo où il insulte au Ligue, là, je n'étais pas d'accord. Et je ne suis toujours pas d'accord avec ceux qui insultent les autres en dessous de ceinture. Ça, c'est pas le combat. Mais dis que tu te donnes et que tu dises que Mouana Winchi et moi, on parle pas sur WhatsApp. Mais pourtant, Mouana Winchi, il s'oppose à tout. Est-ce que le monde ne va pas parler parce qu'il s'oppose? Wilfried Okumba, moi il fait des audios, mais moi je partage tous ces audios. Même sur Facebook, parfois j'ai dit, je soutiens, comment on appelle ça, Wilfried Okumba. Mais est-ce que tu vois que non, il n'y a pas les services secrets qui sont en train de regarder mes publications? Mais si, parce qu'ils savent que ce sont des Gabonais, on a passé notre temps à se plaindre sur les situations des Gabonais, et ces situations n'ont pas encore changé totalement. Sauf que dans le quartier, on lui met un peu le petit béton, bon, nous pauvres qu'on est, on se dit, bon, c'est mieux que rien. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on va rester là. Voilà pourquoi j'ai dit, moi j'accompagne la transition. Après la transition, là, mon frère, si on continue à faire les mêmes choses là, mais mon frère, on va prendre le best, on va mettre, on va dire qu'il m'attend. On va évoluer, le Gabon est riche. Moi, je dis, depuis des années, je ne fais que dire que le problème du Gabon, ce n'est pas nos dirigeants. Même si j'en parle. Non, si, les dirigeants ont une part de responsabilité. Et vous gouvernez ce pouvoir. On apprend un peuple à se défendre. On n'apprend pas un peuple à être débénu. Je te dis que, mais regarde, il faut suivre, même Oligui, il vient d'arriver, il arrive avec une autre donne, mais il faut regarder. Bah, il vient d'arriver au pouvoir, il vient d'arriver sur le fauteuil présidentiel, mais il n'est pas, oui. Tu peux pas me dire qu'il vient d'arriver au pouvoir, il est dans le pouvoir, il est au pouvoir, sauf qu'il ne dirige pas. Je dis, il vient d'arriver. Quand je viens d'arriver, c'est-à-dire qu'en tant que président, il était là. Oui. Il n'était pas président. Mais je dis, il faut regarder le comportement. Tout à l'heure.
Tchad. Ouais, oui. D'accord, bro. Tchad. Ok. Tchad. Mais est-ce qu'il ne connaît pas tous les mots qu'il mine, même avant qu'il ne vienne sur le côté présentateur? Est-ce qu'il ne connaît pas tous les mots qu'il mine? Mais il le sait. Il le sait, mais il ne peut pas faire tout en même temps. Et il a besoin du temps. Il a besoin du temps parce que l'exigence de notre pays est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, il a besoin. Il ne peut pas faire tout en même temps. Le point, c'est que nous-mêmes, dans notre pays, on a un problème. Le problème, c'est qu'il faut l'éducation. Il faut que les gens soient éduqués. Il faudrait que les gens, ils ont le savoir-vivre. Il y a tout cela. Donc, tu peux même changer, dit président. Tant qu'on a un peuple qui n'a depuis 50 ans, n'a pas reçu éducation, tu peux pas changer ce peuple-là en 10 ans. Donc, il faut commencer par là déjà. Et ça, c'est le véritable problème chez nous. Pendant qu'on parle du problème du Gabon, on parle du problème de la SCG, tu as des Gabonais qui sont concentrés sur la deuxième femme d'Oligui. Tu vois comment tu peux changer avec ça? Ça peut pas. Pendant que tu parles de canal, tu parles de la SCG, des coupures, tu appelles même aux Gabonais à se mettre debout pour revendiquer leurs droits. D'autres se concentrent sur la deuxième femme d'Oligui, sur son mariage, et voilà, on va avancer comment? Donc, c'est pourquoi je te dis que le véritable problème pour moi, c'est le peuple. C'est le peuple. Pendant que toi, tu dénonces... Pendant que toi, tu dénonces que la SCG, les coupures, les compteurs sont mal placés, les câbles, les gens se concentrent, comment Oligui a reçu, comment il t'a donné un véhicule, combien il t'a donné. D'autres se concentrent, d'autres vont, oh, tu es vendu. Donc, on ne s'intéresse pas au fond. Tu vois, moi, on s'intéresse, tu vois, qu'est-ce qu'il t'a donné? Comment le président t'a reçu? Voilà le problème du Gabonais. Comment on va avancer avec ça? Oui, là-bas, je suis d'accord avec toi. Moi, je t'ai dit que nous avons à 75%, le peuple a une part de responsabilité. Mais je dis aussi, les dirigeants qui sont bien éveillés ont le droit d'éduquer ce peuple-là. Tu vois, par exemple, comme à l'époque d'Ali. Ali arrivait, il disait la journée citoyenne. Je disais toujours à Ali que pourquoi est-ce qu'apprendre à un Gabonais une journée citoyenne du moment que nous, on balaye dans nos maisons, devant nos maisons, on balaye dans nos maisons. Et que la mairie qui est là, a un budget pour l'entretien de la ville. Ali apprend aux citoyens son droit et ses devoirs. Est-ce que tu comprends? Donc, l'État aussi a le droit. C'est comme, par exemple, toi, aux États-Unis, là. Quand un policier vient t'arrêter, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Mais, il était droit, non? Mais, il vient vers moi? Il était droit. Mais, justement, quand il m'arrête, il ne descend pas de mon véhicule, il vient vers moi. La première des choses, c'est qu'il me demande, il me demande mon permis de conduire. Et quand au volant de mon véhicule, je ne descends pas. Bon. Mm. Ça, c'est ce droit-là, il est universel. Ce n'est même pas seulement aux États-Unis. Attends, non, on va aller doucement. Tu dis bien qu'il vient vers toi. Bon, oui. Quand il vient t'arrêter, par exemple, à la maison, il fait quoi? Ben, il vient, il a un mandat d'arrêt qui me présente et j'ai lu ce mandat d'arrêt et je ne t'interfère pas, je me laisse aller. Mais il dit quand même, il dit ton nom. Il dit quand même, il te donne un peu. Et voilà. Bon, tu vois, il te dit le droit, pourquoi? Parce que on lui a appris à respecter le droit d'un citoyen. Et qui lui a appris à respecter le droit d'un citoyen? Je ne sais pas s'il faut dire, par exemple, que c'est la Constitution. Et on a fait en sorte que les gouvernants ont demandé d'appliquer ce qui est dans la Constitution. Et c'est ce qu'on parle. D'appliquer la Constitution, c'est-à-dire qu'en arrêtant un père de famille, on ne doit pas l'enlever le haut publiquement et le laisser comme ça transmis. Donc, ce qui veut dire que, en réalité, les dirigeants aussi doivent appliquer ça, enseigner ça, dire au peuple que, en réalité, si un policier t'arrête, il n'a pas l'obligation ou n'a pas le droit de t'enlever un haut. En ce moment, tu peux réagir. Mais par contre, ça là vient. Donc, tu vois, quand ça arrive, le policier, il a tous ses droits de te faire ce qu'il veut faire.
Parce qu'en réalité, le peuple ne connaît pas son Dieu. Eric, je vais te dire quelque chose. Hein. Honnêtement, ça fait pas longtemps que je suis ici. On était tous au Gabon. Hein. Moi, les matins, je sors de chez moi, je m'arrête, je paye l'union. L'union, là. Hein. Pour avoir l'information. Et je pouvais m'asseoir, par exemple, dans un restaurant ou quelque part, je mange au journal ou bien dans un café. Mais tu as des gens autour de moi, tu comprends? L'union que j'ai payée à 400 francs est lue par 10 personnes au café. Tu comprends? Parce que tout simplement, il y en a qui ne payent pas l'information, qui ne veulent même pas s'informer. C'est-à-dire que si je n'arrive pas... Non, il n'y a pas de si l'information là, même quand tu connais l'information, est-ce que le policier est prêt à appliquer ça? Non. Mais ici, n'applique pas, c'est parce qu'il sait que tu ne t'informes pas. Non, donc, tu es informé ou tu peux informer. Il s'en fout parce que, et toi, tu sais que le policier ici, le policier est au-dessus de la loi. Mais Eric, si toi tu rentres dans une mairie et qu'on te dit, écoute, pour renouveler l'acte de naissance, c'est 1000 francs. Et si tu veux que l'acte de naissance, on te donne ça dans 30 minutes, tu donnes 1000 francs quoi, pour le coca, dis-moi. Et que tu sors le deuxième billet de 1000 francs, ça fait 2000. Tu donnes à l'agent municipal. La faute est à qui? La faute est à toi qui t'es pas informé. Parce que tout simplement, tu ne peux pas savoir que... On ne s'intéresse pas dans notre pays à des choses importantes. Il faut que tu reconnaisses cela. On ne s'intéresse pas. Et il ne faut pas défendre des choses parce qu'il faut... Je te dis qu'on ne s'intéresse pas. Même toi-même, tu le sais, mais tu veux insister. Quand tu fermes des lives, là, des directs, tu parles des choses importantes, on s'en fout de ce que tu dis qui est important. On est plus intéressé de la nouvelle boisson qui est sortie, Booster, ou bien, je ne sais pas, vous avez tellement de noms de boissons qui sont sortis dernièrement, là. On est plus informé sur cela que s'informé sur ce que tu dis. Donc, voilà pourquoi. Si tu ne veux pas me comprendre dans ce sens, c'est pas grave. Moi, je dis que mon vrai problème au Gabon. S'il fallait faire un combat, c'est sur les Gabonais, ce n'est pas sur les... C'est pas sur les dirigeants. C'est là le véritable problème. Et c'est tout. Moi, je te dis ce qui est vrai. Si tu veux pas, bon. Moi, je dis ce qui est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais après être d'accord avec toi, il y a les réalités. Quand tu dis faire le combat, sur les Gabonais là. Les policiers, les gendarmes, la mairie, ce sont tous des Gabonais. C'est aussi contre eux aussi. Non. Parce que quand tu parles de Gabonais là, ce n'est pas les Gabonais lambda, mais ce sont ces mêmes Gabonais lambda là qu'on trouve à la mairie, qu'on trouve à la gendarmerie, qu'on trouve à la police, qu'on trouve à la GR, qu'on trouve par exemple à la présidente de la République. Et ça, tu vois pas? Je pense, même tout à l'heure, moi je n'ai même pas changé de sujet, mais je vais évoquer quelque chose. Tout à l'heure, quand le grand a dit tout à l'heure, le plus grand employé au Gabon, c'est l'État. Ok, c'est l'État. Mais tu penses que moi, j'ai 4 gosses, ou j'ai 3 gosses? J'ai une femme, j'ai fait des études, et depuis longtemps, j'attends que l'État m'embauche. Je veux rester là, 40 ans avec les cheveux blancs sur la tête, là, aller se mettre debout, comme je vois les gens se mettre debout, là, on demande 400 personnes, on se met là, moi, je veux faire ça. Si les étrangers arrivent, les Béninois, les Nigériens arrivent chez nous, au Gabon, par n'importe quelle voie, ils arrivent à vendre des sachets, l'eau. Demain, ils s'ouvrent des magasins, vendent des pièces, des voitures à la gare routière. Ils arrivent à construire chez eux au pays. Tu penses que moi, je vais mettre là debout pour attendre aussi longtemps que l'État, je sois recruté par l'État, à la fonction publique. Je dis à un moment donné, il faut qu'on arrête de mettre la tête sur ces gens-là, sur la fonction publique. Hein? Le Gabon est un grand pays avec beaucoup d'opportunités. Hein? On peut beaucoup faire chez nous que de tout temps attendre nos dirigeants. C'est parce que tout simplement le complexe, la honte. Pour ceux qui me connaissent là, je parle à soi toi, pour ceux qui me connaissent, ils vont savoir d'où je suis parti pour être où je suis aujourd'hui. Sans complexe, sans honte. Et j'ai compris qu'on n'a pas besoin d'être à la fonction publique. Si je te dis où j'ai commencé et ce que j'ai fait, tu vas comprendre que même ceux qui sont à la fonction publique là depuis 10 ans, 20 ans, n'ont pas ce que j'ai. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête avec ça. Tu peux partir des creuseurs de faux sceptiques
creuser des fosses sceptiques et devenir quelqu'un, à être propriétaire des bâtiments demain. Arrêtons de compter sur la fosse sceptique. Tu penses que quelqu'un qui est conscient, qui a une famille à nourrir, va attendre pendant des années que la fonction publique l'engage? Tu penses que si tu es conscient vraiment, tu vas le faire? Non. Mais attends, tu peux faire quoi? Retire la loi 60 ans que la fonction publique t'embauche pas. Tu fais quoi? C'est là où je donne le tort à l'État. Je donne nos dirigeants le tort à ce niveau. Il ne faut pas les recruter, mais il faut les envoyer à la terre. Et c'est par là que nous sommes en train de construire plus des hommes politiques dans notre pays. On construit plus des hommes politiques, plus des partis politiques, en faisant croire à tout ce monde-là que c'est là-bas, la fonction publique, où il y a la vie éternelle. Et c'est ça le véritable problème. Toi, où tu es là, est-ce que tu as la fonction publique? Tu fais tes lives, tu fais ta plomberie, tu vas installer les splits là-bas, tu vas faire ceci. Tu vis mal. Tu te plains. Non, tu sais, pour ça, je suis d'accord avec toi pour que dire que nos abonnés étaient clairs. Nous avons une part de responsabilité. Et tu vas voir, même dans mes publications, le plus souvent, je demande même aux gens arrêter d'être assis, de rêver devant chez le Malien avec un bâton de cigarette en demandant 100 francs. Ça, je le dis toujours. Mais, et je suis d'accord avec toi quand on dit aussi qu'au Gabon, on a un manque de solidarité et d'honnêteté. Tu vois, comme on l'a aussi dit là, on dit là, regarde, les baisses de tension de courant. Le problème de la ONG. Là, aujourd'hui, nous avons ministre de la communication, une dame qui était au PDG, qui est devenue activiste et est devenue opposante. Aujourd'hui, là, on a mis ministre de la communication. Et Canal augmente un bouquin a augmenté 500 de plus. Monsieur, elle sort va nous expliquer pourquoi est-ce que. Je comprends ce que tu dis, mais je vais te répondre pour cela. Tu sais, hein, on a changé de dirigeant. On a changé de dirigeant chez nous, mais on n'a pas changé le système. Il y aurait Delta Synergie là. Hein? On va le. Delta Synergie là. On va le. Comment on va dire? On va le. Il y aurait une autre Delta Synergie. Pourquoi je te le dis? Depuis des années, les grandes entreprises, là, ces grandes entreprises qui viennent s'installer au Gabon, là, tu comprends? Quand il y a une élection au Gabon, tu sais combien ces grandes entreprises ont fourni au parti au pouvoir ou pour celui qui est au pouvoir? Tu sais combien ils misent dessus? Donc, Canal Plus, Casino, tout ce monde-là, c'est un groupe qui est là, tu comprends, qui finance le système. Et comme le système le sait, le système encourage cela, c'est le peuple qui paye. Tu comprends? Pourquoi le peuple paye? Parce que le peuple est endormi. Tu comprends? Le peuple est endormi, le peuple n'est pas informé, le peuple ne s'informe pas. Je reviens. Le système là, le système, ces grandes entreprises là financent, quand il y a une élection présidentielle au Gabon, ils financent le système. Les gadgets et tout le reste qu'on sort. Et le système le sait. Canal, c'est son travail depuis des années avec le groupe Casino. C'est leur travail depuis des années. Et comme ils financent comme ça, le système est d'accord. Qu'il frappe sur les têtes des Gabonais. Mais quand les Gabonais seront conscients et s'élever pour dire ça, on n'est pas d'accord, ça va changer. Tu comprends? Ça va changer. C'est pourquoi je peux te dire que tu es en train de parler là, les Gabonais sont au courant, les Gabonais t'écoutent ou il y en a qui ne s'intéressent pas. Dès qu'ils vont s'intéresser à cela, ils vont tous se mettre debout, tout le monde se désabonne. Tous les Gabonais se désabonnent. Quand moi j'ai entendu qu'il y a des Gabonais, nous tous on a l'argent, la poste banque. Tu sais, moi je me suis découragé à un moment donné, c'est quand je me suis rendu compte que tu vois un Gabonais, il a cotisé à la poste banque, il a son argent, il a 30 millions, mais il est incapable de s'élever pour son propre argent. Tu es sûr que c'est pour Canal Box ou pour la SG qui conseille tout le monde que lui peut s'élever? Tu vois? Il y a ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que le premier bien du peuple
Moi, je suis d'accord avec toi que le problème vient du peuple qui ne veut pas s'informer et qui ne veut pas prendre leurs responsabilités. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu es d'accord avec moi, c'est le peuple. Quand oui. Le peuple, quand n'empêche que quand on est un bon dirigeant et qu'on a eu un peuple, on a affaire à un peuple qui a été martyrisé pendant des années, on l'éduque aussi. Aujourd'hui, là, quand on parle du Mali, comme le grand président disait là, tout à l'heure, là, au Mali, qu'est-ce que le président a fait? Quand le président a vu que non, les données de son pays étaient dans les mains des expatriés, il a préféré prendre les informaticiens maliens pour dire que trouvez-moi la solution. Parce qu'il s'est appuyé sur sa propre population, sur ses propres ingénieurs. Ça, on va. On en arrive là-bas. Je te dis que. Les dirigeants, je dis que ça, on en arrive là-bas. Pour ça, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. La chaîne nationale est englobée par avant l'indépendance, on avait combien de chaînes, mon frère? On avait la 1, la 2, Télé Africa, TV Plus, RTN. Aujourd'hui, là, on n'a même plus ces chaînes-là. Hein? Là. J'ai envie de te dire que on va en arriver là, ne t'en fais pas pour ça. Le problème, c'est que il faut d'abord faire un travail sur le peuple. Le peuple. Tu vois, moi, mon problème, même quand j'écoute mes frères activistes là, je les écoute, pour moi, hein, les activistes qui sont aussi à l'étranger comme moi là, hein, moi je suis pas activiste, mais moi quand je les écoute, ils s'attaquent aux dirigeants. Moi, je veux qu'ils s'attaquent au peuple. C'est là-bas mon problème. Mon problème, c'est là-bas. Tu comprends? C'est là-bas. Parce que tu as. La dernière fois, tu as fait des vidéos où tu montrais un peu les ordures, les poubelles et tout ça là. Il y a des gens, tu leur poses même le bac à ordures devant leur porte, leur maison. Le bac à ordures est vide, mais c'est autour du bac à ordures où il y a les poubelles, où il y a la saleté. Le bac à ordures est vide, c'est vide, mais c'est autour du bac à ordures où on dépose. Donc, non, ça, je tu vois, c'est bien les gens. J'aime bien, mais non, tu sais, moi je dis que je ne veux pas être d'accord sur tous les points avec toi. Les points où je suis d'accord avec toi, je dis que je suis d'accord. Par exemple, là où j'ai dit Dawini, là, la fois d'un temps que j'ai fait un live là, derrière ce mois-là, où les gars même viennent jeter les ordures. Ça, là, je suis d'accord que nous avons une part de responsabilité. À 75%, nous avons une part de responsabilité. Mais aujourd'hui, par exemple, tu vois, beaucoup de mes frères activistes, beaucoup de mes frères activistes vivant sur le territoire, par exemple, national aujourd'hui ou hors du pays, tu vois, même les problèmes qui minent la société aujourd'hui, ils ne veulent plus en parler. Mais pourtant, on ne les a pas interdits de parler. Et c'est ce qu'on voit. Ou continuer, comme tu l'as si bien dit, faire le combat contre le peuple en sensibilisant le peuple. Même ça, ils ne veulent pas faire. Mais et pourtant, les dirigeants ne sont pas responsables. Et c'est ce qu'on voit. Moi, je suis pas d'accord, plus ou moins, je suis d'accord avec ce qui se fait. Est-ce que c'est ça qui m'empêche d'aller dans les quartiers pour montrer que non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Il manque ça, il manque ça, il manque ça. Est-ce que tu comprends? Oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Que le peuple a même la plus grande part de responsabilité. Le laxisme, le mabourisme, ils peuvent vivre en silence. Et tu te rends compte que je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que. Parfois, il y a des gars dans un quartier, ils vont t'appeler. Et ils disent, bien, oui, on a une telle situation. Tu lui dis, mais mon frère, tu as un téléphone Android, non? Oui, tu ne peux pas parler, il te dit non. Maintenant, tu dis, bon, j'arrive, je vais faire le déplacement dans ton quartier, mais j'espère que je vais te croiser, toi, pour que tu puisses m'édifier quand même. Le gars te dit qu'il n'est pas dedans. Tu vois la mentalité? Oui. Voilà, mais tu sais ce que j'ai fait. Moi, aujourd'hui, quand quelqu'un m'appelle pour me dire qu'Eric vient dans mon quartier, j'ai dit que papa, tu as 50 000. Il dit non, j'ai dit que laisse tomber. Parce que je vais le pousser au moins à parler. Dans le cas qu'on est, s'il ne veut pas parler, il doit dépenser de son argent. Dès que ça, parfois, il y a ceux qui n'arrivent pas à comprendre ça. Oui, donc, a, mais tu vois, moi, j'ai vu des activistes parler des étrangers. Parle des étrangers au Gabon. Oh, ce sont les étrangers qui font ces machins. Toi-même, tu es étranger. Toi-même, tu es étranger chez l'autre. Hein? Mais tu critiques les étrangers qui se trouvent dans ton propre pays. Ça, c'est-à-dire qu'il y a un véritable problème. On a laissé. J'ai vu des jeunes commerçants
Moi, je te parle. Hein. Hein, j'ai vu, quand Ali, quand, à l'époque, Ali Bongo, j'ai vu des jeunes Gabonais là, qui vendent le moutouki, la fipérie, là. Hein, la fipérie. Vous attaquez les étrangers qui vendent les étrangers au marché. Mais qui vous vend ces ballots-là? Ce sont les étrangers qui vendent les ballots. Ce sont les étrangers qui vous vendent les ballots au grand marché. Regarde comment ça s'est passé au Cameroun. Les Chinois, ils vendaient, les Chinois vendaient des ballots. Hein? Mais le Chinois t'a construit un grand bâtiment. Dans ce bâtiment-là, mon frère, il a des charges. Les charges sont énormes. Il a les employés, hein, sans compter les charges du bâtiment et tout le reste. Et le mec te vend, c'est surtout qu'il y avait le monopole sur les ballots et tout ça. Là. Les Camerounais, ils ont compris, ils ont dit, ben, nous, on va les faire tomber. On va faire tomber ces Chinois-là. Le Camerounais va te chercher un petit local de 200 000 francs. Il fait venir les ballots au Cameroun. Quand le Chinois vend son ballot à 300 000, le Camerounais te vend le ballot à 200 000 francs parce qu'il n'a pas de grandes charges. Il a un local de 200 000. Qui va fermer? Qui ferme? Le grand. OK. Sans chasser, hein? C'est-à-dire que quand vous voulez chasser les étrangers dans votre pays, il faut les chasser avec la stratégie. Tu ne peux pas chasser celui qui a le monopole. Celui qui te vend le pain au chocolat tous les matins, il se va à 5 heures pour attendre qu'on vienne lui livrer le pain. Et toi, tu te vas à 7 heures pour aller payer le pain chez lui. Mais tu vas le chasser comment? Toi, tu dors à 5 heures. Lui, à 4 heures, il est debout, on vient lui livrer le pain. Et toi, tu viens acheter le pain chez lui à 7 heures du matin. Tu vas les chasser comment? Ils ont le monopole sur tout. Au lieu de commencer à aller faire la queue là-bas, à la fonction publique, faire le bruit sur les réseaux sociaux, quand on veut le travail, on veut le travail, à la fonction publique. Mettez-vous debout. Il faut arracher ces petits business-là à ces gens-là. Eux-mêmes seuls, ils vont partir du pays. Non. Wallahi Bilaye, le Gabonais est tellement trop complexe que, en réalité, c'est un petit peu. Moi, je veux te dire que mon vrai problème, c'est un problème des Gabonais, mon frère. C'est un problème des Gabonais. Tu comprends? C'est un problème des Gabonais. Moi, tu me vois là, Eric. Quand j'ai arrêté l'école, mon frère, j'habitais au Vendo à la pédiatrie. Le pont Nomba était à deux pas de chez moi. Ce pont Nomba, on n'était que deux jeunes Gabonais à faire la pêche au pont Nomba dans les pirogues de Calabar. On m'appelait même, quand j'arrive, les Gabonais, hein, quand ils arrivaient un peu la sardine, là, ils m'appelaient pêche, ils m'appelaient, hey, Calabar, viens me compter la sardine. J'ai dit, moi, je suis pas Calabar, je suis Gabonais. Oh, tu fais quoi au milieu, là? Non, j'ai choisi de faire ce métier-là. Et je me suis en sorti. Quand tu avais Opianga, avant qu'Opianga crée son entreprise Vigiservice, là, il habitait à Glace. Il avait une pirogue de pêche qu'on appelait Gabon-Gabon qui était garée au marché de l'Omi après la Pont Nomba. J'ai pêché avec Opianga dans la même pirogue, dans sa pirogue. Opianga. On pêchait ensemble dans la même pirogue. Il est aujourd'hui ce qu'il a été député, il a été tout. Mais Opianga, c'est quelqu'un. Si les gens disent, il n'a pas fait l'école, mais regarde où il est parti. Même s'il a associé ça à la politique, mais c'est d'abord un battant. Opianga a tout fait. Il a tout fait. Et il a associé ces petits métiers-là à la politique. Voilà aujourd'hui, il est aujourd'hui. Il est où aujourd'hui? Il n'a pas eu de complexe. C'est un Gabonais. Opianga pêche avec moi. Je ne parle pas. Ce n'est pas le Congo ça que les gens vont dire. Moi, j'ai pêché avec Opianga dans la même pirogue que lui. On a pêché ensemble au pont Nomba dans la même pirogue. Et après Opianga, il a trouvé qu'il y avait un secteur qui était vide. Les pêcheurs étaient tout le temps anarqués par le ministère de pêche, la direction générale de pêche et tout le reste. Opianga a décidé d'être le président de l'association des pêcheurs artisanaux du Gabon. On était ensemble avec Opianga. Après, là, il était représentant d'une marque de riz qu'on appelait Sigali, marque de riz, représentant. Il crée Vigiservice. On pêchait ensemble au pont Nomba, au Pianga. Je parle de lui, il m'ignore pas, il me connaît très bien. On se connaît bien. Alors, lui, il pêchait pour vendre, lui, il pêchait pour manger. Parce que ça, pêchait pour vendre. Je dis qu'il pêchait pour vendre. On pêchait pour vendre. Il avait une grosse pirogue qu'on appelait Gabon Gabon HPO. C'était le nom de la pirogue. On partait dessus. On partait dans cette pirogue à 17 à la pêche. Je te dis les choses qui sont vraies. Pour ceux qui me connaissent, c'est la vérité que je te dis. Sans gilet.
sans gilet. On partait à la pêche. Je te dis que je partais avec Opianga, mais il me connaît. Opianga m'ignore pas. Je te dis que c'est pour te dire que. Moi, voilà, j'ai dit que à l'époque, vous avez les gilets, vous étiez sans gilet. Mais on avait des gilets dans la on avait des gilets dans l'embarcation, mais on ne les portait pas. C'était en cas de s'il y avait une orage qu'on pouvait prendre les gilets. On les avait dans l'embarcation, mais on ne les portait pas. Okay, c'est-à-dire que on peut partir de vendeur de tomates. Ouais. Regarde les tomates que nous consommons au Gabon. Ça vient du Cameroun, pas des gens qui ont des BTS, pas des gars qui ont des licences, qui plantent ces tomates-là et qui le vendent au Gabon. Je suis d'accord, je te dis que je suis d'accord avec toi qu'à 75%, le problème, c'est le Gabonais lui-même d'abord. Ça, je suis d'accord avec toi. La responsabilité à 75% incombe au peuple qui ne veut pas s'imprégner. C'est-à-dire que même quand tu veux parler d'un sujet qui est normal, comme par exemple le bouquet canal qui est augmenté, tu vas parler tout de suite, tu vas dire qu'on va aller par exemple à l'association de consommateurs, le Gabonais ne serait pas l'intérêt. Tu vas essayer de leur dire que non, par exemple, même ici à Ouédié, tu te rends compte qu'on habite dans un quartier à Ouédié, il n'y a pas l'eau. Tu vas même leur dire que non, venons on paye notre disque une cotisation de 1 000 francs, 1 000 francs, pour qu'on fasse des banderoles, on interpelle les hommes, tu sais ça qu'ils vont te dire. Oh que non, pardon, moi je cherche le travail. Oh, mais c'est le premier à se plaindre dans la maison et dans les bars. Donc voilà pourquoi je dis, je suis d'accord avec toi à 75%. Mais n'empêche que les dirigeants qui sont là aussi comprennent qu'on a affaire à un peuple qui est mouton et donc on l'est quand même. Sans aussi, même s'ils n'arrivent pas à fournir des efforts. Mais tu vas aider comment? Je dis que tu vas aider comment? La seule manière d'aider les Gabonais, tu comprends, aider les Gabonais, c'est pas dans la facilité, c'est la torture. C'est-à-dire que mais Ali Bongo même, Ali Bongo était même trop gentil. Parce que je te dis quelque chose. Je suis en train de te dire quelque chose. Quand un dirigeant te met le Bacardi devant ta porte, pour que tu mettes ordi à l'intérieur, toi tu mets hors du Bacardi. Il t'a pas aidé. Il t'a aidé. Bon, voilà. Comment quelqu'un, on va le faire comprendre comment? C'est la chicotte pour le faire comprendre. Pourquoi je te dis, fais comprendre que le Gabonais a besoin d'un dirigeant dictateur et non quelqu'un qui est gentil. Toi-même là, quand tu prends ton téléphone avec tes données pour aller filmer les difficultés dont vivent les Gabonais dans les quartiers, tu es en train de faire quoi? Est-ce que tu aides le dirigeant? Tu es en train d'aider le peuple qui n'arrive pas à parler pour que les dirigeants soient au courant de leur situation. Mais quand je te suis, combien t'insultes? Je vois la vendu. Oh, tu es vendu. Est-ce que ce sont ceux qui te payent ta connexion pour informer leur situation? C'est pour te dire que le problème, il faut les torturer. Moi, je suis en train de te dire que les gens ne comprennent pas. Oh mon Dieu, mon frère, il faut torturer. Le Gabonais, il faut le taper. Je disais toujours que même si Jean Ping prenait le pouvoir au Gabon en 2016, il devait rencontrer plein de difficultés. Suffirait-il. Wow. Même si on devait rappeler le pouvoir, il allait rencontrer les mêmes difficultés. Il devait rencontrer plein de difficultés. C'est la vérité. On est regardé le peuple, on augmente ça, on est dans la même maison. On augmente ça, on est dans la même maison. On augmente le pain, on est dans la même maison. On augmente l'électricité, on est dans la même maison. On augmente le canal, on est dans la même maison. On nous accorde de l'eau, on est dans la même maison. Il y a quelqu'un qui me pose la question, là où tu vis, est-ce qu'il y a un dictateur au pouvoir? Je veux lui répondre. Il n'y a pas de dictateur au pouvoir parce que les Américains, c'est des brutes. C'est des gens qui n'acceptent pas les Américains, c'est des brutes. C'est-à-dire que si tu ne réponds pas à leurs exigences ou bien quoi, tu vas les voir, les Américains ne sont pas des moutons. C'est pourquoi les dirigeants ne sont pas des dictateurs. Moi, je suis toujours te répondre. Le problème, c'est que les Gabonais sont des moutons et ils ont au pouvoir des gens qui les traitent aussi par rapport à ceux qu'ils ont en face d'eux. C'est tout. C'est ce que je veux répondre au frère, si c'est un frère ou bien une soeur, où je suis, c'est pas, il n'y a pas de dictateur au pouvoir, mais les Américains, c'est des garçons. Non, c'est pas des maboules, les Américains. Viens voir, il faut venir voir ici, là.
Hein? Au gars, même des fois, quand nous, on s'exprime là, oh non, on ne dit pas ça, on dit ça. On ne parle pas comme ça, on doit parler comme ça. C'est tout ce que les Gabonais savent faire, corriger les gens. Ou c'est ça le problème du Gabonais. Viens voir ici les Américains, comment les mecs qui ont les mêmes français que les études. Oui. Ici, les Américains, ils ont fait les études, mais viens voir comment ils débroussent. Hein? Les gars débroussent. Ce sont les Américains eux-mêmes qui nettoient leur route ici, là, malgré leur niveau d'études. Quand vous allez commencer à comprendre que c'est pas parce que tu as fait beaucoup l'école que tu es censé tout connaître, quoi. C'est là où ça va changer. Le droit que tu avais à la fonction publique. Oui. Il y a tout ça là. Le complexe. C'est ça, non? Tu demandes à ouvrir même une entreprise où tu vas gérer, il va te dire que oh non, moi j'attends la fonction publique. Ils ont fait l'école, les ingénieurs, dans tous les domaines. C'est pour adhérer à la fonction publique pour avoir un salaire. Tous les ingénieurs, ils veulent être à la fonction publique, être nommés, c'est tout. Oui. Il y a aussi ce problème-là. Mais va les voir. Eric, va les voir. Va les voir quand ils sont à la fonction publique, là. Tu ne vas jamais les voir en train d'étudier les tests des lois, les ceci. Non, ils vont passer tout leur temps sur l'ordinateur en train de jouer le Zuma. Le Zuma qui joue à chaque... Toute la journée, quand l'heure arrive, ils prennent le sac pour dire oh, « j'ai fini, je rentre à la maison ». Et le 25, le salaire est passé. Ils n'ont rien fait. Là-bas, c'est pour les paresseux. Tout ce qu'ils veulent pas travailler dans leur vie, ils gagnent l'argent de manière facile. Là, ils vont à la fonction publique. Ils ne travaillent pas. Les gars ne travaillent pas. Aucun rapport. Tu les vois là bon. 10 ans. C'est tout, mon frère. Bon, on va conclure le live. Reste là, on va conclure le live. Je prends la parole. Après, tu vas prendre la parole. Donc, peuple gabonais, si je suis venu, si je suis monté aujourd'hui pour faire ce live-là, vous avez constaté que depuis un bon bout de temps, je ne fais plus les lives chez moi, je les fais en route. C'est pour vous dire que non, les gars, à un moment donné, c'est trop. Canal ne peut pas augmenter où le gouvernement actuel qui est là ne peut pas accepter que l'on augmente les bouquins et nous sommes silencieux dans nos maisons. Soit on se réveille à un moment donné parce qu'on est un peu conscient, on boycotte Canal sérieusement, ou soit vous voulez qu'on soit édoungé. Parce que c'est inacceptable qu'à chaque fois, ce même Canal-là, il continue à nous montrer les vieux films que moi j'avais 18 ans. Aujourd'hui j'ai 48 ans. On me montre Arnold Schwarzenegger. Ou soit au Rocky Balboa 5. Mais attends. Donc, j'ai payé 21 000 francs pour regarder les mêmes bêtises que j'ai regardées autrefois. J'ai dit non. Donc, soit on se réveille, ou soit on ne se réveille pas. Parce que pendant la période de la Libel Bongo, on a passé le temps à vivre ces conneries-là. Là, le CTD est là aussi. On va encore vivre les mêmes conneries. Entre temps, le CTN, soi-disant, est venu pour nous ouvrir les yeux. Ils nous ont déjà ouvert les yeux. Ils nous ont enlevé un pouvoir de 56 ans. Mais quand on vous enlève un pouvoir de 56 ans, une épine du pied, est-ce que c'est pour qu'on reste les mêmes? Je ne pense pas. Donc, les gars, s'il vous plaît. Moi, je vous ai dit que ça fait pratiquement 6 mois que je n'avais plus Canal chez moi à cause de mon fils. Mais là, en voulant m'abonner, je me suis rendu compte qu'ils ont augmenté de 500. C'est ça qui me révolte là où je suis. Là. Sans oublier la SCG. Je parle tous les jours de la SCG. Mais quand même, les gars, soit on est conscient, soit on veut sortir de nos galères, ou soit on veut rester dans nos galères, même avec les nouveaux dirigeants, on serait toujours un peu édougué. Bon, mon frère, toi qui es arrivé là, on était presque à la fin du live, donc tu vas quand même dire 2 ou 3 mots. Et après, l'autre va conclure. C'est un fantôme. Non. Peut-être les problèmes de réseau. Et il a même les cheveux. Tu sais qu'il a tendu les cheveux. Ça, c'est une star qui est là. Non, sûrement, il y a un problème de réseau. Je sais pas. Bon. Mais mon frère, on veut te laisser dire 2 mots parce qu'on est à la fin du live. Le peuple t'écoute, mon frère. Vas-y, parle. Bon. Allez. Je parle de lui là, il doit être à ma bande. Il a un problème de réseau.
Mon frère, son prénom m'a dit. C'est Maïla Hertel. Et puis Libertis. Bonsoir, tu es au Cameroun. C'est le président Dubsaga très très fort. Et le président Dubsaga très très fort. Je suis disant très content de votre live. Je suis très content parce que tout n'est que la réalité, n'est que la vérité. Moi-même, dans ma vie, moi-même, j'ai vendu les tomates. Ok. En tout cas, ce n'est que la prochaine fois, parce que le réveil serait douloureux tant que. Même pas. Attends, toi, tu es où? Tu es au Gabon? Non, mais. Il est en Côte d'Ivoire. La prochaine fois, je serai au pas. Ne t'inquiète pas, Eric. La prochaine fois, je serai au pas. Ouais, je veux savoir, tu es dans quel pays? Je veux savoir que tu es dans quel pays, tu es au Gabon ou hors du Gabon? Ok, à la prochaine, ciao. Mais réponds, tu me reçois du Gabon ou hors du Gabon? Ou en Europe ou dans un pays africain? D'où ça va? Non. Là, ta connexion, là, c'est un problème. D'où ça va? Bon, monsieur Eric, on va conclure, tu sais. Moi, ce que je demande, c'est que si Dieu peut vraiment descendre sur le peuple gabonais afin que ce peuple-là soit éveillé et prendre conscience de certaines choses que le peuple ignore énormément et comprendre que ensemble on est plus fort sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que se mettre en association, quand on prend une décision, on peut saboter. C'est-à-dire qu'on peut décider de dire, ben écoute, on peut décider pour dire, ben on prend une semaine, on ferme nos téléphones. Vous allez voir, ça va faire un impact sur ces maisons téléphoniques là. Canal, les gens se mettent pour dire, bon, on retire notre abonnement parce que vraiment, on n'est pas satisfait du service. Nous ne sommes pas satisfaits et puis les prix et tout le reste. Je vous dis que ces entreprises-là vont fermer. Non, de facto. Tu sais, une fois, je pense qu'il y a, comment ça s'appelle, le grand qui est venu au Gabon, l'activiste, là, comment on l'appelle, qui faisait des lives avec Yann. Celui qui faisait les lives avec Yann. Où c'est depuis où? En France? Depuis la France, oui, qui est au Gabon, là. Stéphane Zeng. Stéphane Zeng. Il avait fait un live où il a montré combien Canal gagnait au niveau du Gabon. Et mais c'est même le pays. Non, mais je sais pas, je veux juste parler, bon, qu'il le fasse ou pas, moi, c'est même pas ça le problème, mais il a fait un détail pour montrer que Canal gagne plus que tous les pays africains auxquels il est installé. C'est au Gabon qui gagne plus. Et le Gabonais, est-ce qu'il est informé de cela? Ça qui est bien, c'est que quand il était en Europe, il le faisait, mais maintenant qu'il est rentré là et que ce sont eux qui ont plus d'audience là, mais ils doivent regrouper les Gabonais au fur et à mesure et continuer ce même combat. Bon, ça veut dire que le report qui s'attaque à Canal, parce que s'attaquer à Canal, c'est s'attaquer au ministère de la communication, et qui au ministère de la communication, c'est sa grande soeur. Mais est-ce que toi tu aimerais aussi être seul dans ton combat? Pourquoi les Gabonais aussi ne se joignent pas à toi? Il a fait sa part. Non, le problème, mais justement, le problème, c'est ça. Le problème, c'est que je suis en train de te parler depuis longtemps que les autres, d'autres États activistes en France
aux États-Unis sont entrés. Le président les a reçus. Ils ont le boulot. Qu'est-ce qui empêche aussi un Gabonais qui a son téléphone que de faire des commentaires négativement sur les autres, de faire aussi pour lui, dénoncer? Mais et c'est de là par le changement. Les gens ont combattu Ali Bongo. Ali Bongo n'est plus. Chacun sait le combat qu'il menait. Si moi je combattais Ali Bongo et qu'il n'est plus, je combats qui? Je combats qui? Je peux combattre tout le monde. Ouais, ouais. Je veux combattre tout le monde. C'est non. Ça qu'il faut comprendre. On combattait qui? Même quand on parle de celle qui ministère de la communication, mais elle combattait Ali Bongo. Ali Bongo n'est plus. Elle combat qui? Pourquoi les Gabonais ne comprennent pas cela? C'est déjà aux autres de combattre celle-là qui est là parce que avant elle combattait. Et mais pour pouvoir améliorer les choses. Alors, donc tu as tout compris. C'est même là quand je parle, tu vois, il y en a qui font des commentaires, il y en a qui sont. En fait, il y a des personnes qui sont nées seulement pour commenter. Prends ton téléphone, dénonce le changement. Si tu penses qu'aux États-Unis, ici, les ceux qui ont changé les mentalités des Américains sont des dirigeants, prends ton téléphone, viens faire ton live et viens dire que c'est les dirigeants qui ont changé les mentalités des Américains. C'est tout. N'attends pas quand ceux qui ont le courage de parler viennent parler. Toi, tu es seulement derrière un clavier en train de te gonfler les doigts. En train de te gonfler les doigts. Prends ton téléphone, viens dénoncer. Le problème, c'est ça. Les gens ont combattu Ali Bongo, il n'est plus là. Donc, pour moi, chacun sait ce qu'il cherche après Ali Bongo. Ah oui, là, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai combattu Ali. J'ai combattu Ali. Le CTR est arrivé. Aujourd'hui, ce qui me reste à faire, c'est de montrer au CTR le travail qu'il doit faire dans les campagnes et les quartiers. C'est tout. On va combattre tout le monde. Non, on va combattre tout le monde. Ali Bongo est parti. Passons à autre chose. C'est pourquoi je dis que le Gabonais, on est trop aigri. On est aigri à un degré, c'est-à-dire que on ne combat pas Ali Bongo, on combat même les membres de sa propre famille, on combat. On combat tout le monde. Voilà quoi j'ai dit à certains qui m'interpellent, j'ai dit que non, mais vous pouvez aussi prendre le relais. Moi, j'ai 48 ans. À 48 ans, je suis presque fatigué. Je peux m'occuper à autre chose, vous prenez le relais. C'est tout. La preuve, c'est que, tu vois, par exemple, il y a une dame qui se balade avec moi là. Il y a une dame qui se balade avec moi là. Hein? Hein? Oui, tu as remarqué ça, oui. Non? Oui. Elle, par exemple, elle est fonctionnaire aux affaires étrangères et non aux affaires sociales. Et tu te comprends? Oui. Elle sait que je l'ai dit que dans votre ministère, il y a des difficultés. Et il y a des difficultés que les Gabonais vivent qui sont liées à ton ministère. Aujourd'hui là, elle descend sur le terrain pour parler des écoles, pour parler de malades. Elle ne parle pas de la politique. Elle parle de ça. Donc, tu vois, c'est aujourd'hui une dame, qui m'apporte un plus dans les textes que l'on fait ensemble et qui m'apporte un plus. Et moi, comme elle ne s'y connaît pas dans ce monde activiste-là, parfois, si je lui donne un peu des petits conseils, puis, bon, ça, il faut traiter ça comme ça. Ça, il faut traiter comme ça. Elle me dit, non, Eric, oui, si je traite comme ça, voilà le langage qui est approprié. Et on, tu vois, et pourtant, elle était une petite politicienne. Elle n'a pas fait de la haute politique. Mais aujourd'hui, elle fait aussi du syndicalisme mélangé à la politique et mélangé un peu dans l'activisme. Et d'autres, je vous apprécie. D'autres femmes vont emboîter le pas et on serait plus nombreux comme ça. On va faire de bonnes choses et on ne serait plus des bénis, oui. Exactement. Aveuglement. Voilà. Donc, si d'autres ont compris, c'est comme c'est par là où le changement commence. Quand les dirigeants ont en face d'eux un peuple conscient, un peuple qui ne se laisse pas malmener, les dirigeants vont suivre. Le petit Karl Mouduma, qui était un ancien PDG qui habite au Carrefour à Sam, même étant au PDG, mais il parlait, il dénonçait. Aujourd'hui, là, il continue à dénoncer. Tu as par exemple Cédric Patel, qui est un homme politique du 5e arrondissement. Il est, je crois que. Ah là. Aujourd'hui, là, on est ensemble des gens. Voilà. On marche, on fait des trucs. On va dans les quartiers, on dit les gars. Parfois, même hors caméra,
pas en caméra, quand on fait le live, on sensibilise la, les populations sur l'insalubrité. Que les gars, vous aussi, vous n'avez pas de responsabilité. Mais, enfin. En tout cas, bon, on a conclu. Il y a mon frangin Marlin. Tu as compris, Eric. Moi, je ne suis pas au pays. Quand je vais rentrer au pays, je vais me joindre à Eric comme c'était. Donc, Marlin, toi qui fais les commentaires là, tu es un frère. On va changer le pays ensemble. Donc, commence à te joindre à Eric si tu es au Gabon. Joins-toi, Eric. Hein? Et puis, je vois, il est allé voir n'importe quoi. Oui, non, n'importe quoi. C'est pas, non, c'est pas grave. C'est mon frère gabonais. Je souhaite qu'il vienne. Si le Gabon qui se joint à toi, et de là va partir le changement. Bon, s'il n'est pas, qu'il fasse comme moi, hein? Il prend son téléphone, il fait son live, on le voit aussi en direct comme ça, là. Hein? Il prend le courage. Voilà. Bon, Eric, bon. On est ensemble. D'accord. Que d'accord. Dieu... Merci, Dubaï. Ok, merci. Ça marche. Ouais. Ok, ça... Bon. Ciao. Ciao. Bon, même quand vous avez compris que nous avons une part de responsabilité. La part à 75%, nous avons une part de responsabilité. Voilà, là, j'arrive à bien lire quand les gens quittent l'écran comme ça. Donc, nous avons une part de responsabilité à 75%. Les dirigeants aussi ont leur part de responsabilité. Parce que c'est inacceptable que Canal continue à nous montrer les mêmes émissions, les vieilles émissions. Et bien que ça, ils augmentent le prix. Vous comprenez? C'est inacceptable que la SCG continue à nous couper le courant, que la SCG continue à nous amener les baisses de tension, et on paye le kilowatt à temps, et on nous retire tant, on n'a pas de route. Non, là aussi c'est pas bon. À un moment donné, il faudrait bien qu'on soit un peu conscient. La révolution intellectuelle aussi, elle existe. La révolution intellectuelle, elle existe. Ceux qui disent qu'ils ont fait l'école, ils s'expriment mieux en français, ils ont les doctorats. Mais venez nous apprendre la science de la révolution intellectuelle. Vous qui avez fait l'école, là, nous autres, on n'a pas fait longues études. Quand on vient parler un petit français là, mais que faites-vous? On dit celui qui connaît quand il se tait, c'est celui qui ne connaît pas qui vient raconter l'histoire. Et quand il raconte l'histoire, papa, à sa manière ou soit dans le désordre. Venez sensibiliser le peuple. Vous avez fait les longues études. Vous avez les longues théories, amenez le cahier, la Bible, le Coran, le dictionnaire, la Constitution, les textes de loi. Vous venez dire aux Gabonais sur Facebook que non, voici vos droits, voici vos devoirs, ça. Mais non, vous, c'est pas ça. C'est inacceptable. Moi, j'ai dit c'est inacceptable que Canal continue à nous montrer les vieux dessins animés, les vieux films, les mêmes épisodes. Mais ils augmentent. Ça, qu'on a vu en janvier, vous allez voir ça, par exemple, à mars. Ce que vous avez vu en février, vous allez voir ça en avril. Ce que vous avez vu en avril, vous allez voir ça à mai. Et c'est comme ça que Canal fonctionne. Canal fonctionne comme ça. C'est des trucs qui doivent monter. Le calendrier, c'est comme si ils ont des CD ou les cassettes qui comportent une mémoire. Quoi. Ils disent, bon, là, on met ça. Donc, tout janvier, c'est programmé. Sauf que il y a des séquences là où ils vont vous mettre, par exemple, une actualité comme le journal. Mais le reste là, c'est des anciens trucs et nous, on est là. Le bouquet est passé à de lui de 5500 est passé à 6 000. L'une des 20 500 est passé à 21 000. Alors, s'il y avait un bouquet de 25 000 francs, celui-ci est passé à 26 000. S'il y avait un bouquet de 30 000, celui-ci est passé à 31 000. S'il y avait un bouquet de 35 000, celui-là est passé à 36 000. S'il y avait un bouquet de 40 000, ce bouquet est passé de 41 000. S'il y avait un bouquet de 45 000, ce bouquet est passé à 46 000. Quand même, vous aussi. Vous aussi. On augmente le kilowatt et dan. On est dans nos maisons. On augmente le pain. On est dans nos maisons. Nous, on parle, on vous demande de venir même nous trouver pour qu'on essaie de réfléchir. Vous êtes dans vos maisons. On
on augmente le carburant à la pompe, le Gabonais est dans sa maison. On augmente la farine, on est dans une maison. L'huile augmente, on est que dans une maison. Là, on vient d'augmenter canal, on est dans une maison. Ministre de la communication, comme je ne regarde plus la télé, comme ça, je vous ai dit que ça fait pratiquement 6 mois, je ne fais pas la télé chez moi. Je ne sais pas si le ministre de la communication est passé nous édifier pourquoi est-ce que, et nous expliquer pourquoi est-ce que Canal a augmenté. Pourquoi est-ce que la chaîne nationale est engloutie par Canal? Rien. Le ministre de l'énergie et d'eau ne peut même pas venir nous expliquer pourquoi est-ce que le kilowatt coûte cher. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'eau dans le quartier? Quand même, il dirige qui? Les moutons? Les cabris? On est dirigé par qui? Par des sorciers ou par des êtres humains? Est-ce qu'ils sont là pour nous ou ils sont là pour leurs poches et pour leurs ventes? Mais comme ils ont affaire à un peuple qui est mouton, ils veulent faire tout ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent faire. Et c'est comme ça. Moi, je vous dis catégoriquement, comme celui qui veut dire, moi je dis, j'ai combattu Ali Ben Bongo. Ok, d'accord. Le système Ali Ben Bongo, on s'est plaigné. Là, on a décidé d'accompagner le CTI. Mais accompagner le CTI ne veut pas, ne voulait pas dire qu'on ne va même pas dire un mot, ou on ne va plus planter un mot. Ça nous touche. Nous autres, on ne travaille pas. Même celui qui travaille, on est payé à combien? Et c'est ça qui pousse à certains travailleurs même de voler papa l'argent dans les caisses. Parce que la vie coûte cher. Bon. Oh, Lucrezia de Borgia, encore toi. Toi-même, là, je ne peux même plus parler. Ton problème, là, je ne peux même pas parler ça. D'abord, tu es une femme d'affaires. C'est toi qui soutiens Junior Bongo au Gabon. Toi, tu dois avoir une cantine. Bon, les gars, big up. C'est vrai qu'on avait fait ça pendant longtemps qu'on a fait un live ici à la maison. On a perdu l'habitude parce que, comme je vous disais toujours, qu'avant c'était difficile. C'était passé pour moi pour faire des lives parce qu'il y avait Internet. Mais ça fait 6 mois, on ne paye plus Internet chez moi à cause de mon fils. Comme c'est les vacances, c'est sûr que je commence à y aller à m'habituer sans Internet et sans canal dans ma maison. Je ne reste que sur Facebook. Donc, l'actualité, je ne connais pas, hormis ce qui est sur Facebook. Bon, je vous aime bien, mais je vous demande de ne pas dormir. Réveillons-nous. Même si c'est le CTRI qui est là, même si nous voulons accompagner le CTRI, on ne doit pas accompagner le CTRI dans le silence, avec les mots qui minent. Non, on doit aider le CTRI. Aider le CTRI, ce n'est pas être muet. Aider le CTRI, c'est de parler des problèmes du Gabon pour qu'eux-mêmes soient informés. C'est ça aussi aider le CTRI. Si vous voulez que le CTRI ait de bons jours, si vous voulez que le président puisse porter au lit, il soit là. Il ne peut qu'être là s'il aide les Gabonais. Il ne peut qu'être là s'il arrive à résoudre les maux qui minent le peuple gabonais. Mais si vous voulez faire avec le président l'hypocrisie, comme ça que vous allez faire avec Ali Ben Bongo Ndiba, on va tomber dans les mêmes travers. En bon entendeur, big up à vous.